salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'adorer? Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu me cherches. Tu me thank you.
la croix, je me prosterne. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Regarde ton voisin, tu dis, prosterne-toi à la croix. Alléluia, Seigneur Jésus. Ceux qui sont nés ici, là, qui est né ici au Québec, à part la sœur Josée? Qui d'autre? Malik, oui, Malik. Donc, ce n'est pas un problème que vous soyez né ici. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est juste, je voulais apporter quelque chose que vous ne savez pas. Chez nous, que ce soit en Haïti ou au Cameroun ou en Afrique. Ah, peut-être le frère Daniel est né ici, n'est-ce pas? Oui, le frère Daniel est né ici. Amen. Amen. Il est très calme. Amen, amen. C'est bon. Nous, on a ce qu'on appelle les chefs du village, les notables. Et quand le notable arrive, tout le monde se baisse. On respecte le notable. Mais il y a des gens, quand le notable arrive, surtout quand c'est la fête du village, quand il s'assoit sur son trône, il se met à genoux. Qui a des chefs du village dans sa famille? Surtout chez les Bamileke, il y a ça beaucoup. C'est très important. Et même, c'est le pouvoir du chef est tellement important que même si tu es en ville, le chef peut se fâcher, on te dit, viens ici là. Si tu ne viens pas, on va t'attraper. Et même le gouvernement, il y a des endroits où le gouvernement n'a pas le frère Ansri, il sait. Les chefs chez nous ont beaucoup de pouvoir. Mais eux, là, les chefs, là, sont des... J'avais remarqué quelque chose avec les chefs du village. Ils ont toujours beaucoup de femmes. Ils prennent les impôts, les profiteurs. Ils sont toujours costauds parce qu'ils mangent bien. Vous voyez un peu. Dans le chef, il y avait des abus. Si tu étais la femme du chef, tu pouvais être une des femmes du chef. Tu pouvais être sa femme préférée ou sa femme moins préférée. Ce n'est pas juste. Pour ceux qui disent qu'il y a la polygamie dans l'église, un chrétien n'est pas polygame. Amen. Mais il y a une chose qui était là-bas. C'était le respect du chef. Mais le chef qu'on respectait, c'est un mondain. Le chef qu'on respectait, c'est un tricheur. Amen. Parce qu'il faisait souvent des deals que les gens n'aimaient pas. Parce qu'il avait des amis notables, il avait des gens pour protéger son pouvoir. Il y avait même le sorcier du chef. J'essaie. Pourquoi? Parce que je suis arrivé au pays. Souvent, mon grand-père, mon feu grand-père m'a amené dans les cabanes. J'ai vu des crânes. Oh, merci Seigneur, on va protéger tous. Amen. Je ne crois plus en ces choses-là. Parce qu'avant, il pensait que wow, c'est comme ça qu'il faisait pour être fort. Ça, c'est l'illusion d'optique. Moi, j'ai la vraie. Je connais le vrai chef. Donc maintenant, est-ce que tu peux te prosterner devant le vrai chef? Et vous allez voir, si on te dit maintenant, prosterne-toi ici devant Dieu. Il y a le direct. Comment je vais me prosterner? En fait, se prosterner, ça veut dire donner gloire à Dieu. Donner le contrôle à Dieu. C'est difficile parce qu'on veut toujours prendre le contrôle. Alors la Bible, la chanson nous dit, je sais que tu m'aimes. Mais ça dit, à la croix, je me prosterne. Mais le problème, c'est que la croix est toujours là. Il est déjà mort pour nous. On ne va jamais l'oublier. Donc quand tu te rappelles de la croix, rappelle-toi que tu dois te prosterner devant l'Éternel. C'est la source de la plupart de nos problèmes. Nous ne nous prosternons pas vraiment comme il faut devant Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Oh, Seigneur. Je dois me prosterner. Je vais me prosterner. Amen. Donc, bienvenue à ce nouveau service de Hochelaga. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Donc, on est content. Samedi passé, je ne sais pas qui. Il y en a qui ont manqué. Il y avait juste Simplice et moi alors. Il y avait le déjeuner des hommes 2023. Oh mon Dieu. Pardon? Oui, juste Simplice. Aucune. Et j'ai vu la sœur Joël parmi les sœurs qui servaient. C'est tout. Mais en tout cas, vous avez raté. Un vrai Simplice. D'habitude, à chaque année, on veut faire un meilleur déjeuner pour les dames que les dames.